Bonjour, je suis Christophe Ruel, je suis coach sportif et je suis surtout très heureux d'effectuer cette séance à vos côtés. Alors aujourd'hui, c'est une spéciale bikini avec bâton. Alors prévoyez un petit peu d'espace parce que ça va déménager. J'espère que vous êtes motivés, on attaque. Allez, c'est parti, on va partir avec les jambes à l'écart, les genoux et les pointes de pied tournés vers les extérieurs. Un dos bien droit, cherchez à bien serrer les abdominaux et pour commencer, on va placer les mains au milieu du bâton. Allez, c'est parti, on élève les coudes vers le haut. En essayant de bien inspirer, lorsque les bras redescendent, vous expirez profondément. Alors c'est un échauffement, oui, mais on va quand même faire attention aux consignes d'exécution. Abaissez bien les épaules, levez bien les coudes et surtout essayez de sentir que vous ne laissez pas le dos partir en arrière. Serrez les abdominaux pour préserver le dos bien droit. Allez, c'est parti, on inspire et on expire. Et au fur et à mesure, on va simplement écarter plus ou moins les mains. Allez, essayez de sentir que vous avez une bonne dynamique. On écarte encore un tout petit peu. On finira par écarter quasiment sur l'intégralité du bâton. Inspirez. Les trois dernières, plus que deux. La dernière, vous stabilisez ensuite le bâton au niveau de la poitrine. Et là, vous allez tendre les bras vers l'avant. Alors attention à ne pas tendre complètement les bras. Préservez un tout petit peu de souplesse au niveau de l'articulation. Même chose pour les épaules, toujours abaissées. Et on reprend le même travail avec les bras vers l'avant en expirant. Allez, accrochez-vous. C'est le début de la séance. Vous allez voir, ça va être une séance sympa. La même exécution, mais simplement, on va chercher à élever les bras vers le haut et vers l'avant. Allez, 9, 8, 7, ça chauffe déjà les bras, là, j'en suis sûr. Un peu les épaules, les trois dernières, 2. On va partir avec les bras au-dessus de la tête et là, on va freiner le geste. Les bras descendent devant à l'horizontale, vous remontez en inspirant et on expire à la descente. 3, 4, alors ça, c'est un bon exercice hein, pour solliciter les bras, les épaules, oui, mais les dorsaux également. 5, 6, 7, 8, 9, la toute dernière, et 10. Vous allez placer le bâton au niveau des clavicules. On va effectuer un transfert d'une jambe sur l'autre, un quart de flexion latérale. Et puis pendant ce temps-là, vous allez engager les épaules en rotation. Voilà. Alors les épaules, oui, mais pensez toujours à solliciter vos abdominaux. On essaie de sentir, le transfert il est tonique. Et puis au fur et à mesure où vous effectuez ce transfert, vous allongez plus ou moins le bras. En fin de course, hop, donc à droite c'est le bras gauche, à gauche c'est le bras droit, on souffle bien. Allez, à vous d'insister à la maison, hein, en fonction de votre niveau. Vous pouvez prolonger plus ou moins l'échauffement. Un bon échauffement fait entre au moins entre 8 et 12 minutes. Hein. Allez, expirez. Encore 3, 2, 1, parfait. Vous allez revenir avec le bâton au niveau des épaules, quart de flexion dans les jambes, on remonte avec les bras. Allez, je souffle. Donc là encore, lorsque vous remontez, verrouillez bien les abdominaux, cherchez à bien serrer, 6, 7, 8, allez jusqu'à 15, 9, 10, allez accrochez à la maison, restez courageuse, 13, 14 et 15, parfait. On se met dans un contexte, on est à la mer, on est sur les vagues, on est sur une planche à voile, vous allez partir avec le bâton sur les cuisses, hop, et vous allez descendre en position vraiment dans les jambes, le buste bien droit, vous tenez la planche et vous remontez, allez c'est parti, recherche de vitesse. On souffle, arrive en haut. Lorsque vous arrivez en haut, vous cherchez à serrer les fessiers. 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on reste en bas. Hop. Il y a un vent, force 12 là. On tient dans les cuisses. On maintient le dos droit, pas trop penché en avant. Tout le poids du corps, il est vraiment dans les jambes. On stabilise. On remonte petit à petit. C'est reparti pour 10. Allez, 2, 3, 4. Pensez à souffler. Hein. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Allez, faites une petite pause. On va partir avec les jambes. Alors, un tout petit peu moins écartées. Cette fois, vous allez placer le bâton derrière les épaules. Vous allez écarter les mains sur le bâton. Ne prenez pas trop appui de façon à ne pas alourdir le bâton. Juste du bout des doigts. Et là, en stabilisant le bassin, on va effectuer une rotation avec les épaules d'un côté et de l'autre. Alors, essayez de sentir que vous allez modérément dans les premières répétitions. Et essayez de sentir que vous conduisez bien la rotation d'un côté et de l'autre. Et cette rotation, elle n'est pas prise par l'élan du bâton. Ce n'est pas un exercice d'inertie. C'est vraiment un travail de contraction de la sangle abdominale. Sentez que c'est parce qu'il y a contraction qu'il y a rotation. Et vous allez voir que plus l'exercice va se répéter, plus on va sentir la sangle abdominale s'échauffer et plus ça va favoriser le ressenti du mouvement. Allez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. La suite, vous revenez de face
et on effectue une légère inclinaison sur le côté. Alors si toutefois vous avez mal au dos, restez surtout sur cet exercice-là. Évitez l'inclinaison latérale. Par contre, si vous n'avez pas de problème particulier, essayez de descendre progressivement et surtout contrôlez bien le mouvement. Ouais, ça fait du bien là. On sent la taille qui travaille. La dernière, on revient à nouveau en rotation. Hop, expirez. Cherchez à bien souffler. 7, 8, 9, 10. On revient de face, toujours stable dans les jambes. On monte le bâton devant, on passe devant le visage, on remonte et on passe derrière la tête. Allez, c'est parti. On l'enchaîne. Alors attention, dans l'exécution, très important, le bras monte, oui, mais pas l'épaule. L'épaule, elle est fixe en bas. Stabilisez-la bien. Et c'est parti, on enchaîne au moins une vingtaine de répétitions là. Allez, deux dernières. La dernière, on relâche, on redescend le bâton sur les cuisses et c'est reparti de la flexion dans les jambes. Allez, inspirez et soufflez en montant. Donc très important quand vous arrivez en haut, à ce moment-là, les abdominaux sont serrés, les fessiers sont serrés. C'est un travail de co-contraction. Hop, on laisse sans rien au hasard. On inspire et on souffle. 4, 3, 2, 1. La prochaine, on reste en bas. Recherche de vitesse. Je ne viens pas compenser avec le dos, mais au contraire, je préserve le dos bien droit. Les abdos serrés, tout petit en bas. Hop. Allez, une petite houle là. On sent que ça travaille les cuisses. Et ça remonte. Hop. 1, 2, 3, 4. Je sais qu'à la maison, là, ça rigole plus là déjà. On est dans le contexte de travail. En même temps, 20 minutes, ça passe vite. On n'a pas le temps de rigoler. 3, 2, 1, et si vous voulez bien, on repart avec les jambes à l'écart et c'est reparti avec la rotation, bras et jambes, hop, soufflez. Alors si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à effectuer une petite rotation avec la pointe de pied. Essayez de sentir que tout le corps est compact dans la rotation et la sangle abdominale fait vraiment le travail pour stabiliser le haut et le bas. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Parfait, on souffle deux petites secondes, on prend le temps de récupérer, hydratez-vous au besoin. La séquence qui vient, elle est un petit peu difficile. On enchaîne trois mouvements à la suite, travaille sur les cuisses, travaille sur les fessiers. On part sur 10-12 répétitions, si toutefois c'est trop long, faites des séries plus courtes. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez également prolonger un peu plus. Alors on va partir. Avec le pied droit devant, vous allez déposer le bâton sous la cuisse. La jambe arrière est bien en arrière, on appuie sur la pointe de pied. Si toutefois vous avez un problème d'équilibre, n'hésitez pas à écarter le pied sur le côté pour avoir un polygone beaucoup plus important. On va essayer de préserver ce dos droit, les abdos serrés. On va descendre et lorsqu'on remonte, le bâton il est embuté contre la cuisse. Donc on ne peut pas aller plus haut. Donc reste dans ce cadre-là et on essaie de bien effectuer la descente avec la jambe arrière. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors qui dit bikini, dit sport aquatique. De pleine nature, on a parlé de la planche à voile, maintenant on va partir sur la pagaie là. Vous allez pagayer avec le bâton de part et d'autre de la jambe, hop, et on accélère. Allez, venez stabiliser avec les abdos, restez bien sur les cuisses, sur les fesses, et on accélère. Allez, 5, 4, 3, 2, ensuite vous placez le bâton au niveau des clavicules, flexion à nouveau et on remonte avec les bras. Allez, là ça pique, 2, 3, 4, 5, allez, poussez bien sur la jambe arrière, 6, 7, ne lâchez rien, je vous vois. 8, 9 et 10. On revient avec le bâton sur les épaules. La transition pour récupérer, travaillez sur la taille. C'est trop compliqué, c'est trop rapide. N'hésitez pas à faire un break et à bien souffler. Alors par contre, si vous poursuivez l'exercice, si vous accumulez la fatigue, ne lâchez pas les consignes d'exécution et les consignes de sécurité. Le bassin est stable. La rotation, elle n'est pas effectuée, elle ne s'effectue pas pardon, par le haut du corps, mais bien par la contraction de vos abdominaux. Et si vous pouvez, essayez de réguler votre souffle, votre respiration pour bien récupérer. Et là, on est fiers. On est bien, on sent que ça travaille. Le bikini va pouvoir sortir du tiroir. Allez, on n'a rien sans rien, malheureusement. C'est en faisant des efforts qu'on est récompensé. Un bon travail physique, une bonne alimentation. Et les résultats ne sont plus très loin. Allez, les quatre dernières. 3, 2, on revient à nouveau. Travaille un petit peu sur le haut du corps, derrière et devant la tête. Soufflez. Allez, 5 répétitions. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. On change de jambe, le transfert. On vient déposer à nouveau le bâton sous la cuisse. Alors je me mets légèrement de trois quarts.
le dos bien droit, faites attention à ne pas compenser avec le dos et c'est reparti, la flexion extension. Alors encore une fois, quand vous arrivez en haut, cherchez à bien sentir le galbe au niveau des abdos et des fessiers. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et c'est parti, la pagaie, hop. Et montez un petit peu dans les tours là pour travailler la fréquence cardiaque. C'est un shoot aux calories ça. Allez, si vous enchaînez 3 séquences à la suite et si vous reprenez l'ensemble au moins 2 ou 3 fois, vous allez voir les résultats. Allez, ne lâchez rien. 5, 4, 3, 2, 1. On replace le bâton au niveau des épaules et c'est reparti, on remonte. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la récupération sur la taille, à nouveau le bâton sur les, épaules, pardon, on sent les cuisses qui travaillent. Hein. Hop, stabilisez le bassin, essoufflez. Allez, on n'est plus très très loin de la séquence au niveau des cuisses et des fessiers. Toutefois, on ne l'a pas complètement fini non plus. Accrochez-vous. Les deux dernières, vous allez revenir avec le bâton sur les clavicules. On va refaire le même travail, mais cette fois, on pousse un peu plus en diagonale. Allez. C'est des petites variations d'exercice, hein. Mais ça permet de solliciter son corps autrement, différemment. Et c'est comme ça qu'on le surprend et c'est comme ça qu'on peut obtenir encore plus de résultats. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on repart sur la planche à voile, mais on garde la même attitude, jambes écartées. C'est parti, le bâton devant, on remonte, on cherche à serrer les fessiers, on cherche à engager la sangle abdominale. Allez, 2, 3, 4, 5, 6. Alors l'avantage de travailler avec les jambes écartées, c'est que vous sollicitez encore plus les intérieurs de cuisses, les adducteurs. 8, comme ça, on a un résultat parfait sur l'ensemble du corps. Et on bloque, hop, recherche d'attitude, hop, dos bien droit, épaules relâchées, petit mouvement. 5, 4, je vois là, hein. Je sais que vous ne lâchez pas. L'exercice, on l'effectue ensemble jusqu'au bout et c'est reparti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Parfait. Petite pause, n'hésitez pas à faire un petit break, à marcher un peu pour la circulation. Redescendez au niveau de la fréquence cardiaque. Prenez le temps de souffler. Au besoin, vous prenez le temps de vous hydrater. Il nous reste une dernière séquence à effectuer pour les membres inférieurs. Allez, je sais que vous êtes déjà prête, je vous vois motivé. On reprend le bâton, on repart sur la même position. On va élever les bras au-dessus de la tête. Deux options, soit vous avez le dos un petit peu sensible. Dans ce cas-là, vous gardez les bras légèrement vers l'avant et vous effectuez juste une demi-flexion avec les jambes. En effectuant l'exercice de la sorte, vous avez déjà une contrainte qui va opérer sur les épaules, sur le dos, sur les abdos et sur les cuisses et les fesses. En revanche, vous n'avez pas de problème particulier. Et en faisant attention à bien préserver votre dos droit, vous venez placer le bâton entre les cuisses. Vous remontez et vous faites le transfert de l'autre côté. Allez, c'est parti. Six. Allez, on va jusqu'à 20. 7, 8, 9, 10. Accrochez-vous. 11, 12, 13. Pensez à bien serrer les abdominaux à l'arrivée. 14. Ne tendez pas complètement les jambes. 16, 4, 3, 2, on va refaire un travail statique, vous écartez les bras, vous descendez la jambe, recherche d'attitude, le dos droit, les abdos serrés, ne vous penchez pas en avant, restez là, stabilisez bien les jambes, essayez de réguler la respiration, essayez de prolonger le souffle, et surtout au-delà de l'effort physique, soyez fiers de vous, il y a un engagement physique mais il y a un engagement mental, tout le monde ne le fait pas, vous, vous êtes en train de le faire, donc soyez fiers de vous, et c'est reparti la dernière, hop, on inspire et on souffle. 3, 4, 5, vous l'aurez mérité votre bikini. Allez, 6, 7, 8, 9. L'avantage, c'est quand on fait du sport, on change d'état d'esprit. Et forcément, derrière, on n'a plus envie de manger n'importe quoi. On a plutôt envie de fruits frais, de boissons fraîches et de bonnes choses pour son corps. Allez, expirez. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Allez, on enchaîne avec la séquence sur le sol cette fois. Alors, vous allez venir vous asseoir. En fonction de votre souplesse, si vous êtes très souple, vous restez à même le sol. Si vous manquez de souplesse, n'hésitez pas à rouler le tapis pour rehausser le bassin ou à prendre un petit coussin, pareil, pour rehausser un petit peu les appuis. Sinon, vous allez tendre les jambes. Et si toutefois, vous avez le dos un peu sensible, n'hésitez pas à partir en tailleur. Pliez les jambes et regroupez-les l'une sur l'autre.
On va élever les bras au-dessus de la tête. Et avant même de commencer l'exercice en dynamique, il y a un travail de posture. Essayez de ne pas vous affaisser au niveau de la posture. Le buste bien droit, très important. Les épaules bien abaissées et les bras élevés au-dessus de la tête. C'est ça qui va proposer la contrainte au niveau de l'exercice. Si vous avez les bras là, la contrainte n'est plus la même. Donc le résultat n'est plus le même. Donc bien placé. On essaie de verrouiller les omoplates, on abaisse les épaules, toujours le sommet du crâne vers le ciel, on inspire. Et en expirant, on va effectuer une rotation d'un côté. Voilà. Et la même chose de côté en soufflant. On inspire. Et on expire. Alors là, pour travailler la taille, il n'y a pas mieux. On sent la contrainte, on sent la difficulté. On sent d'ailleurs que ce n'est pas si naturel que ça si les placements sont bien respectés. Allez, rien ne sert d'aller vite. Par contre, optimisez au maximum le mouvement, son exécution et surtout la contraction abdominale de toute la taille et des abdos. Vous sentez que je suis un peu en difficulté là? Moi qui suis pourtant un modèle de souplesse. La toute dernière, expirez bien. Allez, je suis sûr qu'à la maison, c'est bien mieux que moi. La dernière, on reste, on stabilise. Gardez la posture, galbez et relâchez. Parfait, on va poursuivre l'exercice. Vous allez partir sur les fesses cette fois. Les jambes fléchies, vous allez légèrement placer le poids du corps en arrière, lever les pieds, partez avec les bras vers l'avant et d'ici vous allez simplement effectuer un mouvement de flexion-extension avec les bras. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5. Alors si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à poser les pieds. 6, 7, 8, 9 et 10. Recherche d'attitude. On maintient, on stabilise. Sollicitez les muscles de la posture, le dos bien droit, le sommet du crâne, hop, on revient. La même chose, on va simplement élever les bras un peu plus vers le haut et vers l'avant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Recherche d'attitude. Inspirez, soufflez. Alors il se peut que par la position, on contracte le psoas. Et le psoas, il s'insère sur le dos. Donc il risque de créer une tension. Donc vraiment, si vous avez du mal, posez les pieds au sol. Et si vous avez vraiment trop mal, étirez-vous et faites des pauses un peu plus longues. Autrement, troisième exercice et le dernier, vous allez plier les jambes, vous allez repartir avec le bâton au niveau de la poitrine et vous allez mêler les deux amplitudes, vers le haut et vers l'avant, un coup en bas, un coup en haut. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Recherche d'attitude, on inspire. Et là, pour le coup, vous allez descendre légèrement vers l'avant, très légèrement, et expirer. Alors, soit avec les mains sur les pieds, soit simplement en relâchant les bras, la tête et les épaules. Dernière séquence pour travailler un peu plus la taille. On va partir cette fois beaucoup plus sur le dos. Vous allez déposer le dos sur le sol. Vous pliez bien les jambes. Vous allez partir avec le bâton au niveau de la poitrine. Et vous allez engager une rotation main vers le pied opposé. Hop, pour solliciter un peu plus les obliques. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors à vous d'insister. Nous, on va s'arrêter là. Check au niveau des abdos, le contrôle au niveau du périnée. Vous allez lever la tête et les épaules et vous allez déporter les bras vers l'arrière. Voilà. Et on stabilise la position. Allez, expirez bien. L'objectif, là, c'est vraiment de lutter contre la pesanteur, d'avoir un levier tendu avec les bras derrière, en maintenant bien le bâton. Vous revenez, au besoin, vous déposez la tête. Et dès que vous êtes prêt, on reprend à nouveau. Rotation, mains et pieds opposés. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On stabilise. Contrôle les abdos, contrôle du périnée. On élève la poitrine. On maintient bien les épaules en l'air, tête en arrière. Soufflez. Et là, si vous êtes très à l'aise dans l'exécution, avec les bras, vous essayez de sentir que vous montez. Alors, pas seulement les bras. Les bras, ils font corps avec le buste. C'est tout l'ensemble du haut du corps qui s'élève. Mais c'est surtout les bras qui nous donnent la direction. Allez, 3, 4, 5, 6. Allez, accrochez-vous, 7, 8, 9, 10, on pose la tête, on souffle. Allez, c'est important de relâcher les cervicales. La tension que vous pouvez sentir, elle n'est pas très importante. Vous pouvez également tourner la tête à droite et à gauche pour soulager un peu les muscles. Essayez de récupérer, si vous avez besoin de récupérer plus longuement, insistez. Et sinon, on reprend la troisième et dernière. Allez, c'est parti, pas de précipitation. De la rotation, du contrôle, 4. 5, 6, 7, 8, 9, on va monter les deux genoux, position chaise renversée, donc comme si vous étiez sur une chaise tombée à la renverse, les bras vers l'arrière, position 1, statique, ou alors la position 2, élévation, allez, soufflez bien, 3, 4,
5. Et là, ça travaille. 6, 7. Essayez de sentir que le ventre ne gonfle pas, par contre. Aspirez bien le nombril, que le ventre soit plat. 9 et 10, on relâche. Parfait. Récupérez. Relâchez la tête et tirez les bras vers l'arrière. Prenez soin de vous. Soufflez bien. Avant d'enchaîner la dernière séquence, pensez surtout à privilégier les muscles profonds quand vous faites des abdos. Les transverses, très important. 1 pour protéger le dos et 2 pour essayer d'avoir un bon maintien viscéral justement, ce qui permet d'avoir le ventre plat. Pareil, les abdominaux, les crunchs et autres, vous pouvez les faire, mais faites des séries plutôt courtes, bien exécutées. Vaut mieux en faire peu et bien qu'en faire beaucoup et là au risque de vous faire mal. Allez, dernière partie, on va déposer le bâton sur le sol. Vous allez déposer une main de chaque côté. On va partir en appui sur jambes tendues si vous êtes à l'aise. Les genoux au sol, si c'est la première fois, on va effectuer simplement un exercice de pompe. Alors pompe, mais en serrant les coudes près du corps. Vous descendez et vous remontez. Alors c'est beaucoup plus difficile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la dernière, on stabilise en position gainage. Et là, on va faire un petit voyage dans la position. Vous allez passer au-dessus du bâton avec la main pour que la main gauche vienne sur la main droite et inversement. Allez, soufflez bien. 2, 3. Alors attention à ne pas poser la main sur le bâton, hein, au risque de déraper et de vous faire mal. Par contre, essayez d'avoir un maximum de contrôle. L'objectif du bâton, c'est de créer un petit obstacle et de passer par-dessus. Allez, les deux dernières. Vous stabilisez. Cette fois, on va placer légèrement les mains sur l'intérieur, les épaules bien au-dessus des mains. Là, je vous invite à peut-être déposer les genoux sur le sol et on enchaîne avec des pompes, mais coudes écartés. Allez, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est la fin de la séance. Accrochez-vous, ne lâchez pas. On stabilise à nouveau, on remonte en position de gainage. Dernier transfert, la main d'un côté et de l'autre. Essayez de sentir que le bassin est bien dans l'axe. Hein. Les épaules sont dans l'axe, vous ne pivotez pas trop avec le bassin. Surtout, essayez de sentir le rôle des stabilisateurs, les abdominaux qui viennent compenser le déséquilibre et forcer l'expiration. Allez, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Parfait. On relâche, on dépose les fesses et on étire le dos. Allez, je suis très heureux d'avoir fait cette séance avec vous. C'était une bonne séance. Je pense que le fait d'avoir intégré du matériel, c'est beaucoup plus ludique, que ce soit un bâton, une paire d'haltères, un ballon, peu importe. Ça permet d'optimiser le travail, ça permet de travailler différemment, ça permet aussi à la séance de passer plus vite. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à la reproduire au moins 3 fois par semaine pour obtenir un vrai résultat. Et on l'a dit au cours de l'entraînement, n'oubliez pas non plus de l'associer avec une bonne alimentation, une bonne hydratation. Et vous allez voir que c'est toute la motivation qui va être renforcée. Moi, je me fais un vrai plaisir de vous retrouver très vite sur la chaîne YouTube Duel. À bientôt.